Et maintenant, on va voir les traits. Les traits sont importants quand on commence à apprendre à écrire. Et écrire le chinois, c'est important aussi. C'est aussi le, comment dire, le noyau de d'apprentissage. Et du coup, pour les caractères, il y a des traits très simples. Par exemple, comme le front, trait comme ça, gauche, droite. Enfin, ce sont des traits simples. Et aujourd'hui, ce sera avec quelques traits un peu plus tortueux. Voilà. Premier, c'est comme ça. OK. Peu comme un angle. Et par exemple, c'est dans什么的么么东西的东。车，啊耶，也是太了。结构在当我，是太了。去前，呀，un peu de ça tourne un peu, c'est pas directement comme ça. OK, c'est pas tout droit, ça tourne un peu. Du coup, ici, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Et troisième, c'est ti. Ti, c'est comme ça. OK? Donc, ti, il y en a dans moi, ici, là. Donc, je vais réécrire. Oh. Il y a quoi d'autre? Il y a tous les mots avec la racine de la main. Ça, c'est la racine de la mort. OK?